cas légaux où les héritiers ne peuvent pas succéder, c'est le thème qui sera abordé ce soir dans le cadre de votre émission juridique Qu'en est tes droits avec Madame Honorine Nzebi-Tegué, née en Tsamalogo, magistrat hors hiérarchie, ancien ministre de la Famille et des Affaires sociales, mais aussi présidente de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité. Madame Honorine Nzebi-Tegué, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes avec vous, rendez-vous respecté encore ce jour. Alors, nous allons parler de la succession quand on sait que, quand on parle de succession, ce qui veut dire qu'il y a décès déjà d'un conjoint. Alors, après ce conseil de famille, il y a également des droits qui nous donnent cette possibilité-là d'être successeur. Alors, dans quel cas les héritiers ne peuvent pas succéder d'abord, avant de parler, bien sûr, de ceux-là qui veulent succéder? Il y a ce qu'on appelle l'indignité successorale. Qu'est-ce qu'on appelle l'indignité successorale? Je préfère prendre des exemples pratiques pour que les personnes qui nous suivent comprennent. C'est les termes juridiques sont souvent un peu compliqués. Compliqués. Vous êtes une maman, vous êtes un papa, vous avez un enfant qui vous frappe, qui vous insulte. Vous êtes malade, personne ne vous assiste. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand quelqu'un est malade, personne, il y a peut-être une seule personne qui a son chevet. On peut vous déclarer indigne à succéder. Ça veut dire que si on porte les faits à la connaissance du tribunal, on fait un dossier, vous ne pouvez, même si vous êtes l'enfant de tel, même si vous êtes l'épouse de tel ou l'époux de tel, parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les conjoints eux-mêmes qui s'abandonnent, qui se font des... Alors, si le tribunal estime que vous êtes indigne à succéder, même si on vous avait déjà donné une maison, même si on vous avait déjà donné une voiture, vous ne pouvez plus être héritier de quoi que ce soit. Ça, ce sont les cas d'indignité. Je parle des violences. Je parle également de tout ce qu'on avait parlé déjà de ça. Quelqu'un qui vient, qui est héritier, mais qui bloque une succession. Votre père vous a laissé, par exemple, un testament holographe. Vous le bloquez, vous le faites disparaître. Et on se rend compte après qu'il y avait un testament, vous l'avez déchiré et tout. Vous pouvez être déclaré indigne à succéder. Une épouse qui quitte la maison sans aucun motif, parce que l'abandon du foyer n'est puni que si c'est fait avec des motifs graves. Les jeunes filles surtout, elles partent, elles font sa vie et tout ça. Le mari reste, il tombe malade, il ne va pas regarder, etc. Et tout. Si on fait un dossier, on peut vous déclarer indigne à succéder. Même chose pour les hommes. Même chose pour les pères et mères. En tout cas, tous les héritiers, si on détecte un cas d'indignité et si c'est établi, on vous déclare indigne à succéder. Évidemment, la question que vous allez me poser, c'est que qui peut porter les faits à la connaissance du tribunal? Il y a deux cas. La personne elle-même, avant de partir, elle peut le faire. Elle peut dire, soit dans un document, soit au tribunal, que telle personne, bien issue de moi, ne succédera pas pour telle ou telle ou telle chose. On peut le dire dans un testament, on peut le dire dans n'importe quel document. On peut également le dire, et avec ce document, on va voir le tribunal pour le rendre sous forme de jugement. Il y a, et ça c'est la personne elle-même à qui appartiennent les biens. Vous savez, il y a des personnes qui le font maintenant à cause des vicissitudes juridiques qui ne veulent pas affronter. Il y a des personnes aujourd'hui qui le font d'une autre manière. Je prends le cas de quelqu'un qui était très fortuné avant, mais il est tombé en faillite, je ne sais pas ce qui s'est passé.
tout le monde l'a abandonné. La femme est partie, les enfants. Et il est tombé gravement malade après. Personne n'est venu regarder. Et il a pris une autre femme dans la maladie, mais qui s'en est occupée avec les enfants que cette femme a fait avant. Elle a fait, je crois, 2 enfants avec son mari, mais elle avait déjà fait 4 enfants avant le mariage. Donc ça fait 6. Alors qu'est-ce que ce monsieur a fait? Constatant que ce sont les enfants que sa femme a amenés, plutôt qu'ils se sont occupés de lui de bout en bout. J'aime prendre cet exemple parce qu'un d'entre eux, c'est un fonctionnaire international. Il est même venu le chercher. Il dit, je préfère amener papa là où je suis parce que la médecine est un peu plus avancée là-bas que chez nous au Gabon. Et après, il a décidé qu'il vient seulement maintenant voir les personnes ici et parce que la santé était très, très, très fragile. Ce monsieur voyant cela, que personne, ni dans sa famille, ni quoi, a fait des donations entre vifs à tous ces enfants-là. Parce qu'il avait investi, même dans la maladie. Telle maison, tel ceci. Il a un bon acte notarié et tout cela. Alors, quand il meurt, évidemment, les enfants qu'il avait abandonnés se réveillent un beau matin pour dire que c'est leur père. Mais ils étaient surpris de constater que les maisons... Il y a même un qui avait été arrêté parce qu'il était allé fracasser la porte d'une des maisons pour entrer de force. Mais on lui a dit, ce n'est plus votre maison. Et il a bien fait, c'était un administrateur civil. Et ce sont les gens qui connaissent bien la loi. Il a fait en bonne et due forme. On a dû l'arrêter. C'est encore son frère-là qui a dit, non, ne l'amenez pas au tribunal. Ils ont découvert que le monsieur, ce qu'on aurait dû faire après sa mort, lui-même, il a fait de son vivant en partageant déjà tout ce qu'il avait fait. Dans un autre dossier également, le monsieur, lui, il a fait un testament. Et à l'intérieur du testament, il a dit tel ne doivent pas hériter de ce que j'ai fait pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Voilà les cas d'indignité. Alors, est-ce que les beaux-parents également peuvent apporter leur témoignage auprès du tribunal pour confirmer les faits de l'indignité du conjoint survivant ou encore des enfants? C'est-à-dire que si un dossier est ouvert, parce que vous savez que dans ces situations, c'est pour ça que les magistrats ont beaucoup de travail. Parfois, il y a beaucoup de mensonges. On ne va pas prendre seulement une catégorie de témoins. On va prendre toute personne, parce qu'on doit d'abord voir la qualité pour agir. Qui a saisi le tribunal? C'est la qualité pour agir. La loi dit que tous ceux qui ont qualité pour agir peuvent saisir le tribunal. Et le tribunal sera obligé de faire l'enquête. Et s'il est établi, effectivement, si c'est la belle famille qui a saisi le tribunal, et s'il est établi un certain nombre de choses, il appartient au juge de statuer. Alors, comment résoudre un conflit issu de la succession? Premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous, au niveau de l'EDFPA, vous avez déjà enregistré ce genre de cas? Beaucoup de cas. Parfois, il y a des conflits qui sont issus de l'ignorance de la loi. Et les personnes de bonne foi qui ont posé des actes à cause de l'ignorance, lorsqu'ils viennent à l'EDFPA, lorsqu'on leur décline la loi, il y en a qui reviennent sur leur position. Et on leur dit, voilà comment ça se passe et tout. Et les choses se passent normalement. Mais il y a des personnes qui disent, on s'en fout de la loi. Mais quand vous dites, vous vous foutez de la loi, vous savez ce qui va vous arriver. Alors, les conflits en matière successorale sont réglés au tribunal. Mais les associations accompagnent seulement... au niveau de la loi, il faut tomber sur une association qui a l'expertise de la loi. Si vous allez trouver une association
qui vend des pommes de terre et vous voulez qu'elle vous accompagne en matière successorale, elle sera obligée de recourir à l'ODEFPA, à AJUP pour le genre, à DDFE qui ont l'expertise par rapport à cela. Donc, lorsque vous choisissez une association, choisissez par rapport aux successions, choisissez une association, autant pour moi, ou UNG, ou UONG, qui a l'expertise de cette affaire-là. Bon, les huissiers, eux, il y en a qui outrepassent ce qu'ils doivent faire, mais l'huissier n'est pas un juge. L'huissier est un auxiliaire de la justice, tout comme un avocat. Les décisions sont rendues par les juges. Et toutes ces personnes-là accompagnent les personnes qui ont besoin de leur service pour pouvoir gagner un procès, pour pouvoir les huisser. Ils font des constats. Ils établissent. Et tout comme les associations, on peut inviter un huissier. Mais et l'huissier et l'association qui va par exemple assister à un conseil successoral doit dire exactement ce que la loi prévoit. Mais or, moi j'ai vu dans un dossier où on a voulu vraiment garder la coutume, l'huissier était obligé de leur dire, bon, si c'est dans ce sens que vous voulez aller, je me retire. Parce que l'huissier ne voulait pas avoir des problèmes en disant que je vais aller dans votre sens. C'était un dossier où on voulait encore choisir comme mandataire la sœur du disparu. L'huissier a dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la mesure où cet homme a laissé des enfants, a laissé une épouse. La sœur a dit non, c'est moi-même qui l'ai élevé, c'est ceci, c'est cela et tout. L'huissier s'est retiré, mais lorsqu'elle est partie, ils sont restés. Bon, ils ont mis les orphelins dehors, ils ont mis la veuve dehors, ils sont restés à faire leur conseil, évidemment en arrivant au tribunal. Ils n'ont pas eu qu'un de cause. Or, le conseil que la veuve était allée tenir avec les enfants et ce conseil successoral-là qui a été accepté au tribunal. Donc, il faut être collé à la loi. C'est le conseil que je donne. Donc, tout ce que nous pouvons faire, mais c'est le tribunal qui entérine par la suite. Alors, pour les parents qui spolient souvent la veuve et les orphelins du fait que, par exemple, c'est notre enfant qui a construit, parce qu'on sait aussi qu'il y a ces femmes-là, il y a des femmes qui participent également à la construction, par exemple, d'une maison, d'un bien immobilier, alors, et qu'après le décès du conjoint, on arrache tout. Alors, est-ce que la veuve a un droit particulier pour rentrer en possession de ce bien-là, étant donné qu'ils ont investi ensemble? Mais bien sûr, c'est ça, en communauté de biens. On ne peut rien faire sans elle. D'abord, le premier acte qu'elle doit poser, si elle est en communauté de biens avec son mari, ou l'inverse, hein, si c'est le veuf, c'est de demander la liquidation de la communauté. Les personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté ne parlent pas d'abord du conseil successoral. Il faut d'abord saisir le tribunal pour liquider la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? On va compter tout ce que vous avez fait ensemble, on va diviser par deux. On vous donne d'abord votre part. C'est ça la communauté. Et les 50% qui restent, le veuf ou la veuve a encore un tiers à l'intérieur. Et c'est le reste qui est partagé avec les orphelins, entre les orphelins eux-mêmes. Ici, le monsieur ou la dame qui est morte avait encore son père et sa mère en vie, ils se partagent le reste. Donc c'est très important. Et ce qui est remarquable également dans la loi de 2015, c'est que la loi a fait vraiment ce qu'on appelle une création juridique.
C'est-à-dire que, vous savez, il y a des personnes qui sont mariées en séparation de biens, mais qui se comportent comme des personnes qui sont en communauté. Il y a des personnes qui sont mariées en polygamie, mais qui n'ont jamais pris d'autre épouse. Vous savez que la polygamie entraîne la séparation des biens depuis 1972. Alors, ils oublient qu'ils ont opté pour la séparation des biens et ils se mettent à faire tout ensemble. La loi de 2015 s'est penchée sur ce cas-là. Qu'est-ce que cette loi dit? La loi dit, en cas de séparation, et si ces personnes-là se sont mis à faire des choses ensemble, c'est-à-dire ils étaient copropriétaires, même dans ce cas-là, on doit d'abord enlever la part de celui ou de celle qui est en vie, et le reste, on voit après. Alors, un message certainement à l'endroit du législateur, quel sera le vôtre? À l'endroit du législateur que je félicite d'abord, mais je dis au législateur que, et d'ailleurs le même message aux juges, qui sont les juges, eux, ils appliquent la loi, le législateur, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, eux, ils prennent la loi. Alors, lorsqu'on applique une loi, c'est à ce moment-là qu'on voit les vides qu'il faut combler. Puisque la loi prend du temps pour sortir, on peut combler les vides avec des décrets d'application. C'est ce que je conseille à ce moment, parce que on se rend compte que, puisqu'on n'a pas un code de la famille, il y a encore beaucoup de problèmes, malgré la loi de 2015. Il faut que le législateur, le gouvernement et le Parlement se pensent sérieusement, parce que c'est un fait de société grave, pour faire un travail qui avait été fait, je crois, en 2011, rassembler des experts. Ils peuvent demander même l'assistance des avocats, eux aussi, qui ont ces problèmes tous les jours, l'assistance des notaires, l'assistance des ONG, l'assistance de tout le monde, des notables, parce que les notables, eux, connaissent la coutume mieux que nous et tout, pour essayer de faire une belle symbiose avec toutes les difficultés que les conjoints survivants rencontrent, et de continuer. Parce que, vous savez, quand l'État lui-même prend possession de la chose, ce n'est pas comme les associations. Les associations concourent tout simplement à ce que l'État fait. Les associations, nous faisons le travail de l'État. Mais lorsqu'il y a une volonté politique, c'est ce que nous avons constaté dans notre pays, lorsqu'il y a une volonté politique imprimée sur un sujet donné, les choses vont très vite. Parce qu'il y a trop de vide. Je vais vous prendre, par exemple, un ou deux petits exemples pour terminer. L'article 692 ancien a été supprimé de la deuxième partie du Code civil. C'est cet article qui disait que la femme doit se remarier dans la famille de son mari pour avoir droit à l'usufruit. Selon les conventions internationales et la loi applicable dans notre nation, cet article était supprimé parce qu'on s'est dit, mais les femmes travaillent, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Voilà, cette femme est dans son foyer avec ses enfants. Nous avons des jeunes veuves de 25 ans, de 24 ans, de 26 ans. Vous voyez, lorsque c'est un homme qui perd sa femme, la famille accepte facilement que, d'abord, on pousse même l'homme à se remarier. Et il va amener cette femme, ou il l'amène dans la maison. Imaginez qu'ils avaient seulement une maison. Ceux encore qui ont beaucoup de maisons disent, bon, je préfère aller dans l'autre maison. Mais c'est accepté. Mais cette femme qui est là, les beaux-parents disent, nous, on ne verra pas, même pas une mouche rentrer
ici, qu'est-ce que cette jeune femme va faire? Elle veut rester avec ses enfants, en souvenir de son mari. Elle ne veut même pas entendre parler de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? La loi est muette à ce sujet. Parce que la coutume, elle réglait ça d'une autre manière. On lui donne un mari dans la famille. Or, l'évolution actuelle n'accepte plus cela. Et même si elle accepte, on a vu des femmes, malgré la loi, qui ont accepté de prendre un mari dans la famille du mari. Mais on s'est rendu compte que ces maris-là ne fonctionnent pas comme à l'époque de nos parents. Ils fonctionnaient vraiment comme époux et on les surveillait même pour bien garder les orphelins et tout. Les deux, trois cas que j'ai eus, le monsieur est resté là, il a fait semblant, il a eu le temps de tout prendre. Vous savez, les femmes comme nous sommes, le capital laissait tomber et tout ça, machin et tout. Et après, le monsieur, s'il était déjà marié ou bien si c'était un célibataire ou quoi, ignore tout de cette femme-là. Ce sont des choses qui n'étaient pas permises par la coutume. Par exemple, vous voyez, il y a des choses. C'est pourquoi je dis il faut que les notables, le Parlement, dans ces deux chambres, le gouvernement, les experts, vraiment sans passion, s'asseyent et posent le code civil sur la table et voient ce qu'il y a lieu de faire. Regardez le cas de ces femmes. 30 ans avec un homme, c'est le deuxième exemple, avec des enfants qui ont 29 ans même, 28, et mais le cas de ces femmes qui ont investi, qui n'ont pas fait d'enfants. Le cas de ces femmes qui ont gardé les enfants, les mamans de cœur, ils ont gardé les enfants. Et cet enfant meurt, elles n'ont droit à rien. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il faut absolument que le travail se refasse pour essayer, tant bien que mal, d'essayer d'harmoniser un certain nombre de choses. Alors, que doivent retenir à présent nos téléspectateurs sur ce thème? Dans ce thème qui est intitulé « L'indignité successorale », je conseille fortement aux parents de ne pas se mettre en porte-à-faux avec la loi. Parce que si vous dites « je m'en fous de la loi aussi va se foutre de vous. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation inconfortable. J'espère qu'ils m'entendent. J'ai eu un cas la semaine dernière. Je préfère en parler. Je ne cite pas les noms, mais c'est grave. Ce sont les tantes des enfants. Le monsieur est décédé. Il a eu une femme, mais c'est une femme étrangère. La femme est venue, elle a un pied là-bas, elle a un pied ici et tout. Mais ils ont dit, comme on sait que la femme est étrangère et que certainement elle restait déjà dans son pays, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent que bon, comme elle est partie dans son pays et avec les enfants qu'elle a fait, qui habitaient, qui étaient déjà, ce sont des grandes personnes et tout ça. Tous les enfants qu'il a fait au Gabon, on les ignore, c'est nous-mêmes qui sommes des héritières. Est-ce que c'est correct? Les amis de monsieur sont venus me voir pour dire, voilà, il y a même un qui détient un document que son ami a laissé dire. C'est vrai, j'ai fait des enfants avec l'Européenne, j'ai fait deux, c'est avec elle que je me suis marié légalement. Mais avant elle, j'ai fait des enfants, tel. Et depuis que je suis malade, l'allure où je vois mes parents, mes soeurs agir, on risque d'ignorer ces enfants-là. Je préfère vous dire que si on les ignore, voilà ce qui va se passer. Et ce que ce monsieur a dit de son vivant, c'est ce c'est à quoi on assiste. Ils sont venus me voir, je leur ai donné des renseignements que je suis en train de vous donner. Ça, c'est des cas typiques où le juge pénal
doit sévir, ainsi que le juge civil. Il faut qu'on s'asseye pour régler tous ces problèmes-là. D'autres pays l'ont fait. Je ne pense pas que le Gabon est incapable de le faire. Le Gabon a déjà fait beaucoup en matière successorale et je sais qu'ils continueront à faire beaucoup pour que la paix revienne dans la famille. Sortez de l'ignorance et restez pratique en regardant la réalité en face. C'est votre émission juridique à Connecté Droit. Nous sommes arrivés au terme. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Et merci à vous, Madame Laurine Zévité. Merci aussi à TVS de penser à moi.